Ilan est un cinéaste, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien qui a fait l'école de Bellatar à Sarajevo et qui n'est pas resté très longtemps. Alors, quand il le raconte, il dit que sa mère lui manquait. Il a fait 3 films, coup sur coup, qui est un triptyque, le triptyque de son village, qui s'appelle Kirko. Et chacun de ces films est allé en première mondiale dans un festival différent. Donc, à Vision du Réel l'année dernière, il y en a eu un. Cette année, en décembre 2019, il y en avait un à Itfa. Et moi, j'ai rencontré Ilal à Sarajevo cet été. Et il m'a proposé de montrer ce film-là en me disant, tu sais, ce film... je l'ai fait pour personne, c'est vraiment, je ne sais pas qui est-ce qui peut être intéressé par ce film-là. C'est un film très personnel, c'est un film qui raconte un peu l'histoire de quelqu'un qui est à la limite de la folie et de sa solitude. Et en même temps, c'est un film très osé parce qu'il utilise cette musique entêtante que nous-mêmes, on n'oserait pas utiliser tellement elle est connue et reconnue par nous. Mais on voit bien que c'est un cinéaste qui est un cinéaste absolument libre. Il n'a peur de rien. Et l'anecdote, c'est que moi, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup trop de musique, évidemment, en occidental que je suis. Et il a dit « Non, mais c'est ma maman qui a choisi la musique, donc on ne va rien changer ».